une chambre étudiante, c'est grand, c'est pas fait pour vivre comme un vrai logement, mais pour se poser pas loin de la fac et rentrer chez soi le week-end. Ouais, Noah, c'est pour ça que je dis que 18 mètres carrés, c'est pas grand, mais ça suffit pour ce que tu fais, quoi. Y a pas besoin de plus. C'était prévu dans un resto, puis au bowling. Ouais, mais y a bien... Enfin, c'est bizarre que les gens puissent pas t'héberger. Enfin, tu mets un matelas n'importe où, tu peux faire dormir n'importe qui, hein. Ça, c'est une vanne de pas pouvoir héberger, hein. Enfin, je veux dire, y a juste à avoir un matelas et c'est bon. Enfin, vraiment, c'est une vanne. Les gens qui disent je peux pas t'héberger, c'est des gros... Enfin, désolé, c'est pas méchant, mais c'est des blagues, hein. C'est des vannes de chez vannes, hein. Tu peux pas dormir sous canapé, non. Tu peux pas même foutre un matelas, non, c'est pas possible. Tu peux pas prendre un duvet, non, c'est pas possible. Enfin, tu vois, ça me fait rigoler, ça. Après, bon, peut-être, parce que c'est le 31, bon, peut-être, si tu veux, mais bon. Vous faites ensemble, y a personne, enfin, je sais pas. Le mec qui va rentrer chez lui, il va pas jouer à la console, je sais pas, il va pas faire des trucs, j'en sais rien. Quelqu'un peut me conseiller un processeur à mettre avec ma RTX 4070? Oula, Coco 27, désolé, moi je suis pas très fort dans ce domaine. Salut Pump, comment tu vas? C'est pas qu'ils veulent pas, je pense, c'est qu'ils ont pas envie, autant le dire. Ouais, c'est qu'ils t'aiment pas et que tu pues de la gueule à mon avis. Le pire c'est que je peux venir, c'est pas le problème, hein. En plus c'est littéralement à 2h de chez moi, mais bon, pas grave. À mon avis c'est qu'ils t'aiment pas. À mon avis c'est que ta tête leur revient pas. Ou peut-être que t'as des poils sous les bras et ça ils aiment pas. C'est possible aussi. Ça va très bien ce Pump, je t'en remercie. Mais yo Zelectox, comment tu vas? Oh my god, mon chindelu, mon ami. Ah mais c'est à mon avis, moi je pense que tu ressembles trop à Rocky et ils aiment pas ça. Ça a pas que des avantages de ressembler à Rocky. Mouais. Force à toi Flippifouille. J'espère que tu trouveras ton bonheur. Moi je suis en train de lutter pour pas me chier dessus. C'est encore un blight. Crochet, flagellat, touille et coup de douilleur. Il venait du fond du fion, hein, il venait du fond du ventre surtout. Oh là là. Il m'a gargouillé le ventre celui-là, c'était violent. Ça m'a fait du bien de le lâcher. Excusez-moi. Ah mais toi c'est différent, Noah, t'as un 18 mètres carrés et tu mets un matelas, y'a plus de place. Je t'aime. Agressif, hein. Ouais, l'agression, faut faire attention à ça, mais ouais, mon P était très agressif, en effet. Faut prévenir, j'ai dit attention. Désolé, Naera, au moins t'as pas l'odeur. T'as le... Comment dire? T'as la vision, t'as le son, t'as le bruit, t'as tout ce qu'il faut, mais t'as pas l'odeur. D'ailleurs, il y a sa petite sœur qui arrive. Et celle-là, elle a encore plus de mieux travailler, parce que là, elle est en train de se travailler dans mon ventre. C'est assez violent. So, tu vas bien mieux? Oui, je vais mieux, j'espère que toi aussi. C'est important d'aller bien. Lui, tu vois, il a les add-ons de vitesse. Il est déjà plus fort. Je suis désemparé que ça passe pas. Désemparé. Les gars, je vais me chier dessus, la vérité. Je suis à deux doigts de me chier dessus, là. Je sais pas comment je vais loop, je vais me chier dessus. Hein. Putain. Oh, les amis, je vais pas bien. Oh, je vais pas bien. Oh, je vais pas bien, je souffre. Oh, je souffre.
fou. Ah. Oh. Ah, ça se calme. Ah, ça se calme. Ah. Oh, c'était douloureux. Oh. Oh, c'était violent. Ça va mieux. Ah, ça m'a démoli. Ça m'a démoli l'anus. Enfin, l'anus non, le ventre. Ah, pardonnez-moi. Désolé. Salut juste, Elia, comment tu vas? C'est la forme. Le perso se tient le ventre quand il est blessé, ouais. C'est quand tu as envie de chier que tu joues le mieux. Est-ce normal? C'est vrai que quand j'ai des flatulences, j'ai l'impression que mon niveau augmente. Je sais pas si c'est un rapport, mais en tout cas, c'est vrai. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Les flatulences de l'espoir. Pourtant, ce blight était mille fois meilleur que le blight d'avant. Si ça se trouve, c'est le même qui a mis des accessoires différents. C'est vrai qu'on peut pas soigner, je suis un peu con. Non. Ah là là. T'es brisé. Ouais, bien vu, Pum. Je suis brisé. J'avais pas fait gaffe. Quelle chase. La chase était belle, Inata. Je pense que l'épée l'était moins, mais la chase était belle. On a trouvé mieux que... Oula. Calme-nous. Bientôt la fin des partiels. Force à toi, juste Elia. J'espère que ça se passera bien, en tout cas. T'es sur la bonne voie. Non. J'ai pas fait exprès. Bon, de toute façon, au moins, j'enlève Terminus. Pourtant, t'as pas un niveau de merde. Eh, globalement, si, quand même. Même si je sais que c'est un jeu de mots avec le fait que j'ai pété, là, à fond. Mes flatulences détruisent ce blight. Voilà le titre de la vidéo. C'est un peu violent, mais je pense que c'est honnête. C'était une blague de Linou. Elle est trop forte, Linou. De toute façon, Linou, je la respecterai toujours parce qu'elle est capable de faire des macarons. Pourtant, je suis pas un fan des macarons, hein, mais... Macaron caramel beurre salé, ça peut pas être mauvais. Ça doit être dur à faire, tu m'étonnes, c'est la spécialiste des macarons caramel beurre salé. Moi je donnerais tout pour goûter ça une fois dans ma vie. C'est ma faute de l'ouvrir sous la porte encore une fois. C'est quoi, moi je m'en bats les reins, je vais aller me sacrifier comme un, PU. Je sais même pas si je vais pouvoir, je vais devoir des ordres. Voilà mon pote. À toi de faire tes jeux, bon courage. Salut Nolan, comment tu vas? C'est trop bon les macarons dans les magasins spécialisés. Ouais, certains sont bons, mais d'autres ont un goût un peu bizarre de plastique. Bon, j'abuse un peu, mais bon. Ah, dommage. Les mates ont essayé de protéger, mais ça n'a pas fonctionné. C'est les flash peut-être? Non, pas de flashlight. Non mais même si j'avais un grand logement ou maison, j'aurais très certainement dit non. Mais après pour Noël, je veux voir que mes parents et ma soeur. Je veux voir personne d'autre de la famille. Là c'était pas Noël, tu sais, c'est pour le nouvel an. Mais ouais, pauvre Philippify, il aura personne pour l'héberger pour le nouvel an. Du coup il pourra pas faire son nouvel an avec ses potes. Enfin si tes potes sont tes potes, ils auraient pu quand même t'héberger, hein. Un minimum. Je suis en train de faire un grand sourire à Linou pour qu'elle refasse des macarons. Aïe 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 aïe, j'ai lancé le sujet le sujet qui fâche. J'ai fait le lancement du sujet. Il est sympa ton skill. Tu vas t'héberger toi-même solo tranquille. Bah, bien sûr, tu vas trouver une solution. Voilà le secret pour bien loop sur DBD. Il faut lâcher une grosse touze. Bien vu Tom. Ah mais t'as récupéré un temps fort, c'est ça que t'as fait? Un loop de cacalité. Bon, Jackson et les jeux de mots, c'est violent. Ouais, ton titre il est bien, j'avoue Jackson qu'il est bien. J'avoue que le titre de Jackson est bien. De toute façon, je dois faire une vidéo YouTube. Where are you from? I'm from France, QKV.
Et c'était pas le même. C'était pas du tout le même Blight. GG Wellplay, GG Next One.